ils sont sur la tour. Il a tous mes contres. Il a l'air là en deux gargouilles. Allez, yo l'équipe, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo improvisée. Je vous explique, j'étais tranquille dans mon studio en train de regarder des petites vidéos YouTube. Et là, c'est pas, je vois une vidéo dans mes recommandations de Trapa. Donc voilà, Trapa gros big up parce que j'avoue, je recopie un peu le concept. Mais j'ai trop envie de tester en fait, c'est pour ça. Trapa qui nous sort une vidéo, encore un deck cancer, barbare d'élite, cycle niveau 16. C'est à dire que maintenant en gros, il y a une mise à jour sur Clash Royale qui fait que le miroir, au lieu d'up de 1 niveau, il up de 2 niveaux. Donc quand tu mets un miroir niveau 14, au lieu de mettre une carte niveau 15, il met une carte niveau 16. Du coup c'est méga cheaté. Et il a fait une vidéo en mode barbare d'élite, il teste les barbares d'élite niveau 16, il miroir les barbares d'élite, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, vraiment encore une fois gros big up à Trapa. Et du coup j'ai juste recopié le deck les gars et j'avais envie de tester. Voilà, je suis un gros copieur, on peut se le dire, on va pas se mentir, je suis un putain de plagieur. Mais j'avais trop envie de tester ce deck. En plus je trouve ça méga satisfaisant quand les barbares d'élite ils éclatent la tour, c'est méga satisfaisant. Faisant. Les mecs, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Le pire, c'est que j'ai 5600 trophées, frérot. Ça va être la merde, mais on va tester. Normalement, je suis autour des 6000 trophées. Là, c'est parce que j'ai pas joué la saison dernière. Du coup, je suis à 5600. Donc, en vrai, ça peut peut-être le faire. On va voir. Oh là là, c'est parti, frérot. On a un deck que je mets. Déjà, on va le laisser. Ok, il pose une sorcière ici. On agresse directement avec des barbares d'élite. On a toujours pas le miroir, mais je pense, les gars, le miroir. Oh le bâtard. Oh non mais attends, mais je suis dans la merde. Mais je suis dans la merde, frère. La sorcière c'est mon contre. Le gars il me sort un miroir sorcière. Il va me mettre sorcière d'un côté, sorcière de l'autre, et je vais pas pouvoir attaquer. Oh merde 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 merde. Comment je fais là? Comment je fais, frérot? Comment je fais? Aïe aïe aïe. Putain mais sorcière niveau 16, c'est cheaté aussi, frérot. Wesh, elle envoie des bastos à 200 la sorcière. Ok, par contre moi je pense que j'ai cyclé et lui pas encore. Hop là, on envoie les barbares d'élite directement. Attends, on peut peut-être garder mon élixir. Parce que là je peux pas mettre un... Frérot. Non mais là frérot. Voilà frérot, je... On passe à la prochaine game, non? Hein, c'était trop compliqué les gars, mais il a tous mes comptes. Il a tous mes comptes. Il a l'air là en deux gargouilles, il a tout. Oui, il a tout. Ah, j'ai le seum. Bon, ça passe pas pour cette première game. On retente. Allez. Oh là là, on est contre Neboz. Neboz, frérot. Je sais pas encore ce que mon deck il vaut, mais t'inquiète pas, j'ai confiance. Hop là, petit esprit de guérison. On va le laisser jouer en premier. De toute façon, moi je lance pas les barbares d'élite le temps qu'il a pas joué. Ok, petit bombardier, pourquoi pas. Ah, fait chier, le bâtiment c'est un peu relou. Mais ça va, ça c'est pas un bâtiment chiant. Genre, c'est pas une tombstone. Une tombstone, ça fout la merde. Ok, bon, là, il y a son petit bombardier qui va mourir. Ok, j'attends que son gobelin il sorte. Voilà, il a mis un dragon de l'enfer. J'en ai rien à faire. On commence un petit rush barbare d'élite pour l'instant. Pour voir comment il défend. Ok, pas mal. Les barbares d'élite qui lui ont bien cassé les couilles, hein. Et ça va taper, hein. Ça tape même, hein. Ils lui ont bien cassé les couilles. J'ai l'impression que lui, il a pas vraiment grand chose. En plus, je t'avoue, son dragon de l'enfer, j'ai tout ce qu'il faut pour le contrer. Ah oui, il a carrément mis une tornade. Attends, mais là, il est bête. Là, il a perdu masse élixir. Attends, frérot. Je peux peut-être tenter quelque chose, là. Hop là, on remet les barbares d'élite. Je vais pas les accompagner. Je vais les laisser défendre. Oh, électro géant, sérieux? Ok, alors là, mon pote, ton électro géant, il passera jamais, frérot. Il passera jamais. Et là, maintenant, défends les barbares d'élite. T'as plus d'élixir. Oui, je sais que t'as plus d'élixir. Voilà, les barbares d'élite, ils sont sur la tour. Ils sont sur la tour et ils vont même éclater le... Oh là là, mais attends, c'est incroyable. Et je les ai déjà cyclés. Je peux déjà en renvoyer. Mais dis-toi que je suis à mon vrai nombre de trophées. Enfin, non, parce que j'ai pas joué la saison dernière. Mais je suis en game trophée. C'est-à-dire que je tombe contre des mecs qui ont un bon niveau, normalement. Enfin, qui ont mon niveau, quoi. Et là, mon pote. Oh là là, en plus, là, il va y avoir élixir x2. Alors là, comment il va défendre? Comment il va défendre? Mais moi, je pars pour le 3. Je crois qu'il a rage kit. Ah non, il a pas rage kit. Alors là, mon pote. Vas-y, défends ça, frérot. Hop là, t'inquiète pas. Moi j'ai ce qu'il faut. Voilà, il y a trois barbares d'élite sur la tour. Oui, oui,
Oui! Let's go! Let's go! Et je vous jure, je vous mens pas, c'est ma deuxième game. Bon, ok, ma première game, je me suis fait éclater, mais il avait un PK sorcière. Mec, c'est chi. En vrai, c'est un trop bon deck. Ok, nous sommes contre Star-Lord. On est contre Star-Lord, les frérots. Star-Lord, il est déjà en train de pleurer. Il sait ce qui l'attend. Hop là, petit cochon. Ok, voilà. Je te laisse poser la première carte. Tu mets un cochon. Moi, ça me permet de défendre et de contre-attaquer directement. Qu'est-ce que t'as pour défendre ça, mon coco? Ça ne va pas suffire, les petits squelettes et les... Ah, mais il a un deck cycle cochon. Ok, il a une Valkyrie quand même. Il a une Valkyrie quand même qui va être loup, mais qui défendra pas elle seule. De la preuve, elle a tué deux barbares d'élite. Mais si, il y en a quatre. Et ouais, frère. Et ouais, en plus, ton cochon, il passera jamais. Ok, tu cycles ton cochon, mais moi, je cycle mes barbares d'élite, c'est pareil. Ok, il y a une mousquetaire. C'est quoi, frérot? Il est trop loin à la détente. Là, je vais attendre. Là j'ai posé mes barbares d'élite, donc il va vouloir mettre un cochon. Oh, il a mal posé son canon. Oh, les barbares d'élite qui tapent directement. Là, il a dû mettre beaucoup pour défendre. Ok, je repose des barbares d'élite direct. Hop là, barbares d'élite niveau 16. Ça part. C'est quoi? Je vais les accompagner. Ah, merde, la bûche. Putain, la bûche de mort. Ok, bon. Ça tape quand même. On n'oublie pas, ils font 600 de dégâts, les frérots. Oui, oui, oui. Un barbare d'élite sur la tour, il a fait 2000 dégâts. Ok, hey, les gars, là, on commence bien. Merde. T'inquiète, j'ai encore les barbares. Mais ça me tue parce que j'ai l'impression que je pose que des barbares d'élite, mais j'en ai toujours dans mon deck. C'est trop marrant. J'adore. Hop là, là, il va devoir mettre squelette et Valkyrie, non? Même pas. Il défend qu'avec un canon. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ce sera pas suffisant, il va taper, hein. Eh, il va taper, frérot. Oh, il tape. Oh, il tape. Voilà. Ok, il a pas remis un troisième coup, c'est pas grave. Est-ce que je repars avec un barbare d'élite direct? Mec, je vais le submerger. Le but là, c'est de le submerger. T'es prêt? Hop là, je mets des barbares d'élite. Je cycle. Et là, je vais déjà récupérer mes nouveaux barbares d'élite. Oh, la Valkyrie qui s'est fait fracasser, poteau. Oh, elle s'est fait fracasser. Mais attends, mais il va prendre la tour là, le barbare d'élite. Il va prendre la tour, frérot. Ok, il prend pas la tour. À la limite, je peux peut-être zap miroir. J'en sais rien. Dans tous les cas, frérot, moi je vais prendre directement une autre tour. Non, tu sais quoi? Hop là, je vais le submerger des deux côtés. Ça arrive des deux côtés. Tu sais plus où défendre. Bah, il a quand même bien défendu finalement. Oh, le barbare d'élite, ça prend la tour. Voilà. 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 Voilà, ça attaque. Et on le laisse plus. Vas-y, prends ma tour, c'est pas grave. Moi, je prends ta deuxième. Je prends ta... Ok, il veut pas. Oh non, mais ça prend directement la deuxième tour. Ok, ok, c'est reparti. Allez, on cycle. Allez, mon pote. Allez. Allez, je veux en remettre. Je veux le 3 couronnes. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Ça, c'est un vrai deck. C'est ça qu'on veut. Et bam. Je suis trop fou. Hey, je veux refaire un combat. Hey, j'aime trop, frère. On enchaîne, les gars. On enchaîne. On est contre Reaper de la team Avenger. On va voir si t'es un vrai Avenger, frérot. Vas-y, je te laisse attaquer. Je te laisse poser ta première carte. Hop là, bon, pendant ce temps-là, je mets un petit esprit de glace. Ok, l'artificière, ça me suffit pas pour poser les barbares d'élite. Je veux en voir plus. Un ballon. Oh merde. Oh, le bâtard. Ok, tu sais quoi, il met trop d'élixir. Il a miroir zap. Il a vraiment miroir zap là. C'est un fou. Oh putain, par contre son chevalier d'or, j'ai rien dit. Il s'est fait éclater, son chevalier d'or. Les barbares d'élite, et voilà. Ok, la première tour qui tombe pas directement, mais presque. Il a mis trop d'élixir pour attaquer. Voilà, son petit chevalier, il est mort. On sait que du coup il a ballon et zap. Donc là, les gars, moi pour défendre c'est un peu relou. J'ai les chauves-souris, mais c'est tout quoi. Après j'ai des esprits de glace et tout. Non, en vrai ça peut le faire. Oh, il a les barbares d'élite aussi, trop marrant. Hop là, je vais mettre directement des chauves-souris niveau 16. Les squelettes juste ici pour les... Voilà, il sait pas zap. Il a un zap mais il sait pas le jouer, frérot. Il est trop nul, voilà, ton barbare d'élite, il va se faire fumer. Et moi, j'envoie directement une offensive derrière. Avec les barbares d'élite niveau 14. Voilà. Et ça prend la tour. Non mais là, c'est juste que il est nul à chier, le mec en face. Il sait même pas défendre des barbares d'élite normaux, frérot, je les ai même pas encore miroir, t'arrives pas à défendre.
Oh, vas-y, vas-y. Oh, le bâtard, il a slash ma tour. Putain, c'est un chien. Chevalier d'or, il est chaud quand même. Ok, bon. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Tu sais quoi? Ça va être le moment. Frérot, on arrive en élixir x2. C'est le moment, tu sais de quoi je parle. En plus, là, c'est dard parce qu'il a vraiment rien pour défendre. Il a des barbares d'élite. C'est pas grave, frérot. C'est pas grave parce que mes barbares d'élite... Oh, je suis mort! Mais non! Mais non! Le combat de barbares d'élite... Oh, par contre, oh, mes barbares d'élite, ils me l'ont éclaté. Il y en a 5! Il y en a 5! Il y en a 5! Et c'est pas fini! Et c'est pas fini! Il y en a d'autres qui arrivent! Voilà! Allez! Oh putain, ça m'a pris la tour! Oh bordel! Mais attends, mais je suis mort! Il fait barbare d'élite miroir! Mais on est où là? Mais on est où, frérot? Vas-y, zap! Putain, chavis en fait. Ok, non, j'ai pas envie de miroir mon. Hop là. Moi, je miroir que mes barbares d'élite, frérot. Je miroir que mes barbares d'élite. Voilà, c'est parti. C'est parti, mon pote! C'est parti, mon pote! T'as 4 barbares d'élite à défendre! Crois-moi que ton sorcier, il va pas suffire! Ton sorcier, il va pas suffire! Ton sorcier, il va pas suffire! Let's go! Let's go! Ça, c'est un deck de putain de cancer, j'en ai rien à foutre! Je suis trop content! On a trouvé le nouveau deck méta! Ouah, le ouf en sueur! Les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo improvisée sur Clash Royale. Moi, j'ai surkiffé, frérot. Les barbares d'élite, je crois qu'ils me rendent fou, frérot. Ils me donnent une dose de dopamine dans mon corps. Quand les barbares d'élite fument la tour, je suis trop heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes les boss. Un maximum de pouces bleus. On n'hésite pas à s'abonner, les gars. On n'hésite pas à s'abonner sur la chaîne secondaire. Attendez, chaîne secondaire. On est actuellement à 3 660 000 abonnés. Je veux qu'après cette vidéo, on soit 4 millions, frérot. Ouah, ça va, les gars. Faut que vous soyez 340 000 à vous abonner d'un coup. C'est pas beaucoup. Allez les gars, on s'abonne. Bref, des gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. En prochaine, vous êtes les boss. Ciao l'équipe. Mouah.